want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ce riff absolument incroyable à la guitare pour le GSL Super Tournament, Plain Vanilla, très bien, qui du coup va être le premier match des quarts de finale. C'est ça, du coup on va partir sur un petit classique contre Maru, autrement dit on va passer à l'échelle supérieure en TVP. Juste après on aura un Solar contre Stats pour conclure cette soirée. Là on a envie de voir, bah voilà, si Maru peut se débarrasser de ce classique. Oui. Il l'a fait avec Stats en finale de la GSL, peut-il réitérer face à classique? Ouais, on verra s'il y parvient. Ça va pas être non plus évident. Voilà, les succès de Maru se retrouvent notamment contre Zerg, contre Protoss, même s'il arrive à vaincre des adversaires très puissants. Et ben c'est pas toujours évident, puisque bah, y a toujours cette dynamique qu'on évoquait un peu. C'est bon, bah t'as pas le droit de faire les upgrades, tu te fais tuer sur le timing. C'est un match-up compliqué ici. On voit le bracket du coup classique qui s'est débarrassé de SOS, Maru dessous, Dark et Trou. Oula. Ou ça va être pornographique. Dark True, oui. Et de l'autre côté, il y a un Innovation Hero, du coup on aura un autre PVP. Pas mal de diversité dans les match-up ici. Merci à toi, Nairlork, fort de soir, mais bien, ça sera juste le match suivant. De ouais, soir. Le match suivant qui va opposer Stats à Solar. Du alors. Coup, match, alors déjà Team Kill, mais aussi une rencontre très répétée. Hein, dans... Ouais, et Piqué qui du coup a une question un peu intéressante qui demande une toute petite réponse un peu plus longue. Quels sont les critères de qualification des joueurs en Super Tournament comparé à la GSL classique? La GSL du coup ici tu avais tout simplement déjà les 4 meilleurs joueurs, les 4 demi-finalistes sont requalifiés automatiquement. Ensuite tu avais une première séance où tu avais des arbres à double élimination qui qualifiaient 2 joueurs. Tous les joueurs qui ont échoué à cette première journée pouvaient revenir sur la seconde journée. À nouveau des arbres à double élimination. Donc en tout, il fallait perdre 4 fois pour être à route de la GSL. Est-ce que t'as vu que Rogue a été spell rouge? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, c'est marrant ça. Presque comme si ils étaient nuls à chier. Non, pas du tout. Merci d'ailleurs à Africa de nous avoir refilé les dons, bien évidemment, pour la GSL Super Tournament, puisque c'est un contenu de qualité, même si du coup on n'a pas pu vous le faire en live puisqu'on avait les Nations Noirs, qui reprennent le 22 avril à la PAX. Voilà, prenez vos places si vous n'avez pas encore pris, c'est playbypax.com. Ouais, et dites-nous surtout si vous venez, n'hésitez pas à le tweeter. Ouais, voilà, à le tweeter. En nous taguant. Parce que si vous tweetez, ouais, mais que vous ne nous taguez pas, on le saura pas en fait. On verra pas tout. Effectivement. On va voir si ça passe ici pour Maru contre Classique. Maru qui est quand même, dans ses derniers TVP, il y a 2 victoires contre SOS. Ou honnêtement, t'es même plus en TVP. Maru et SOS, c'est déjà 2 joueurs qui sont quand même pas... Maru, ça reste tricky. Hein. Ouais. Et du coup, c'était des games complètement insane, mais qui avaient rien à voir du TVP normal. Ensuite, il y a la série contre Stats, où il perd 2 fois. Avec son build 5 racks 1-1 avant la Factory. Ouais. Parce qu'il est 2 fois de suite face à... contre des opening blink, mais je pense que si le mec ouvre pas blink, ça c'est très très fort. Mm-hmm. Parce que t'as vraiment beaucoup et ce coup-ci t'as pas que quelques marines. Au final, t'as besoin d'un steam pour y aller, gagner la fight, tu croches la B3 derrière, ça peut le faire. Clairement. Contre blink, par contre, ça n'avait pas marché, tu te fais gratter un peu compliqué. Mm-hmm. Et derrière, elle avait été très très bon, surtout en défense de all-in. Ouais, notamment la première map avec ce proxy double immortel sur Darkness Sanctuary de la part de Star. Ouais, ça avait été plutôt stylé. Maintenant on verra comment est-ce que ça se goupille entre Classic et Maru, deux oppositions très très différentes, deux joueurs avec des styles atypiques, même dans leur race. Enfin, Classic, il a une science du timing qui est assez impressionnante dans sa race, et Maru qui est capable de faire des plays à la Bion avec de la micro, drop colosse, mes couilles sur le bureau, mais aussi d'aller chercher 17 command center sur une base qui n'a que, enfin sur une map plutôt qui n'a que 8 bases. Allez, Moust Takando ne chasse pas les mouches avec un canon. Wow, ça dépend. Hein. Ça dépend de ton canon. Hein. C'est un joli canon. Si c'est un canon à fantôme, ça vise tout seul, c'est pas mal. Hein. C'est ça. Bon, ça chasse plutôt les hatcheries quand même, le canon à fantôme. C'est vrai, ça peut chasser le muta aussi. Hein. C'est ça, mais quand même, l'hatcherie c'est pas mal, tu vois, parce que chasser un truc immobile, c'est plutôt sympa. Genre,
ça te fait de toi un bon chasseur. Après, t'as la version de Torquedano qui est le canon qui ne chasse pas la hatcherie mais qui protège la robot pendant que les immortels chassent la hatcherie. Mais ça, c'est la version Cripsale et Primtef, les deux originaux. C'est, ouais, mais surtout Torquedano, parce que Torquedano, tu sais, c'est vraiment la version genre mon canon ne tape vraiment pas la hache, quoi. Okay. J'en ai fait une aujourd'hui, j'ai fait une Torquedano sur le ladder de compte baguette en attendant le début de l'émission. As-tu ça, gagné? Oui, c'est très drôle. Ok. Classique ici, qui avait gagné du coup contre SOS, c'est le runner-up des ZM Katowice. Voilà, il avait perdu 4-0 contre Rogue. Il s'était fait soulever ici sa maman, notamment avec une game dramatique sur Abiogenesis, exactement. On avait gagné les WSG Asia Champion, il y avait Dark et Maru dedans. Et enfin, on a fait une demi de GSL, où on s'était incliné face à ça, à Stats. Bien parce possible, que l'autre demi était Dark Maru. Effectivement. Et du coup ici classique dans sa belle veste GSL Super Challenge. Putain, je regrette d'avoir répondu à la question d'Ipiqué, il vient de dire Let's Go classique quoi. Dim. Salaud. Allez. Et Swatch et Darkness Sanctuary, ils sont quasiment donnés le mot à nos joueurs ici. Pour ban. Et on va voir si Maru fait le taf. Ça serait énorme, hein. On rappelle quand même que. On est, je pense, à une époque où la scène top coréenne est extrêmement compétitive et Maru n'est pas autant. Est au-dessus en TVZ, ouais. Mais n'est pas non plus le méga boss du game. En ce moment, clairement. On a beaucoup de joueurs capables d'aller loin, beaucoup de joueurs capables de gagner des tournois. On se retrouve avec un finaliste et un demi-finaliste de la dernière GSL, autrement dit, on est en forme. C'est ça, bonne grosse forme de la part de Maru. On verra si c'est quelque chose qui dure, hein, parce que mine de rien, beaucoup de joueurs avancent très très fort au niveau des points de WCS du coup, pour le 16ème final de la BlizzCon. Mais il y a encore moyen d'avoir des accidents. Hein. Ouais, bah pour Maru, c'est fait par contre. Ah oui, bah oui, vu qu'il a eu le ticket. On a gagné la GSL, ticket automatique. C'est ça, my bad. My bad. En tous les cas, on est parti sur Blackpink pour le set numéro 1, map légèrement avantageuse pour les joueurs Protoss. Maintenant, c'est aussi une map où tu peux t'amuser avec des drops et des libérateurs. Ouais, on va voir ici comment joue Maru, à quel point on a envie de. La vraie question, c'est à quel point on a envie de jouer avec une B3. C'est ça. Mais en vrai, enfin, ouais, c'est les deux options à l'heure actuelle pour Terra, non? C'est le all-in de base ou le 3DC ultra rapide. Pardon, classique, perd en carte contre Stats, effectivement. Mais du coup, la Sat était fausse. Et Stats Bassou, c'est ça. Merci, Amphiprion 6, de me rappeler. De la petite correction. Tandis qu'on est parti directement dans la game avec en bas à droite pour Gina, en haut à droite pardon pour Gina Green Wings. C'est marrant. Et face à lui en bas à gauche, centime actuellement, classique à l'instar bien sûr de Innovation Dark Sou. Beaucoup de joueurs très très talentueux qui n'ont pas d'équipe. Ouais, il y a du choix en Corée. Ouais. C'est ça serait formidable s'il y avait je sais pas une équipe qui avait envie de recruter un joueur de talent. Voilà, ça pourrait être intéressant pourquoi pas essayer de taper là-dedans voilà. On va voir ici comment ça se passe du coup. Scout très early de la part de Classic, pénibilisation avancée. Sur ce SCV, on est parti sur Raxgaz chez Maru avec un Reaper, donc volonté d'avoir un jeu plusieurs Rax derrière, aucun autre choix ici. Hein. Ouais, ok. Il va voler avec Test Target. Ouais, c'est ça, ouais. La petite probe qui a pas mal relooté la position, mais rien de très très grave non plus pour le joueur Terran qui a un premier Reaper. Qui va du coup pouvoir traverser la map et aller chercher un petit peu plus d'informations sur Blackpink. Et surtout ne pas le perdre. Ça va être le plus important, ouais. En fait, si tu le perds, le mec traverse la map et te fait chier. Si tu le perds pas. Alors, ok, my bad, il va vraiment faire du coup une opening usine. Mais du coup, en vrai, il y a très très peu de joueurs coréens qui ouvrent avec plusieurs axes. Bion, ça m'a surpris de le voir faire. Et on a vu un peu la. Si je puis me permettre, la nullité du truc. Ouais. Enfin, sur Backwater, honnêtement. Bah, en vrai, est-ce que c'est vraiment fort sur le map en dehors de Catalyst? Bon, bien j'ai dit, c'est autrement, mais bon. En vrai, est-ce que c'est fort tout court si le mec est bon en face et solide sur ses BO?
Bah moi je pense que non, tu vois, mais... Moi j'ai envie de dire que c'est très très nul. Mais j'ai tenu le même discours à toi et à Coca il y a une semaine et demie, mais Adoro c'est trop fort. Et... Ah non, moi j'ai dit que c'était fort à mon niveau. Nuance. Ah ok. Mais parce que je joue pas classique, moi je joue Jean-Michel entre 5500 et 6000 de MMR, donc ouais. Lui la précision sur le build order elle est quand même sacrément en option. Alors on va peut-être rendre le Reaper ou pas. Non, non, là, c'est ce qui différencie Maru de Imre, tu vois. C'est ce Reaper qui va survivre s'il pose une mine incroyable. Raté. Ouais. C'était impossible. Là en fait il fallait vraiment aller en ligne droite et tenter de sortir et avoir la mine, parce qu'en fait de toute manière en s'enfermant de cette manière le deuxième adepte aurait rattrapé, donc tu l'aurais perdu quoi qu'il arrive. Et du coup comme vous l'annoncez Imre, hein, c'est vraiment le truc à faire de manière en tant que Protoss, vous tuez le Reaper, vous traversez instant. Ouais mais du coup il y a deux gates, alors là c'est la meilleure idée du monde ce bunker. Hein. Oui. Parce que le mec a tué et du coup va te faire une pression 3 gates. Assez intéressant de la part classique qui tout de suite veut mettre la pression à Maru, lui dire te décomplexe pas trop, par contre Maru Là ça donne presque l'impression que les mecs se sont bien joués en ladder, tu vois. Parce que Maru elle build parfait contre avec... En fait c'est pas le build, c'est le bunker dont ouais. Tu as besoin, sinon tu vas crever. Mais là du coup t'as des marines dans un bunker qui leur permettra de replier, notamment ceux qui vont être très très longs en vie. Et tu as un cyclone, un medivac, très très bien. Est-ce que classique warp en ayant vu ce bunker, ça c'est une vraie question. On verra, pour l'instant les trois adeptes en tous les cas qui attendent leur heure. Pour éventuellement trouver du dégât, 3 stalkers qui vont être warpés du côté de chez Classic en proxy. Faut pas effectivement. Être pressé. Non, bah le soir de manière, hein, c'est assez. Tiens, t'as vu là, il y a un petit. Marine qui a sauvé sa vie. Ouais, ouais et qui surtout allait voir vérifier qu'il y avait pas genre un des petit pilote pour warper des DT. Ouais. Voilà, Maru avec un bon build. Et Classic avec le drop disrupt. Ouais, drop disrupteur pour Classic qui aime beaucoup les drops en général. Attention, là c'est vu, faut sortir. Quelques CV peut-être pour réparer. Il y a moyen de prendre la fight, je pense. Surtout avec l'ajout du Medivac, Ben Micro des deux joueurs. Pour l'instant, il n'y a rien qui est mort hein, pour ouais. Vous dire à quel point ça joue bien dans cette game. Très les Shades qui viennent prendre la vision sur l'Algron. Alors, Maru avec un BO très très safe ici. Seulement une deuxième Rax, un tank, un corbeau. Classique avec ce qui ressemble à un drop disrupteur. Ouais, non, mais ça va être un drop disrupteur mais... de la part de Classique. Du coup, je pense que. Parce qu'en fait, si c'est pas un drop disrupteur, quand tu fais un prisme, t'as le temps de faire un. J'ai une question. Si. Je sais pas si tu as la réponse, hein, c'est pas pour te piéger. Tu matrices d'interférence sur le disrupteur, est-ce qu'il peut récupérer. Pas le disrupteur, le prisme. Est-ce qu'il peut pick up. Oh, c'est un colosse. Non, il peut pas pick up. Ok. Toutes les capacités de l'unité sont désactivées. Du coup, ça en fait peut-être la meilleure réponse sur un drop disrupteur. Effectivement. Matrice d'interférence. Même face à un drop tout court en fait. Ouais. Attention ici, ceci dit, du coup. La mine au-dessus de tous les CV. Ouh là là. Alors, c'est. Du coup, c'est relativement bien pour Classic qui va du coup pouvoir tuer beaucoup de SCV un peu gratuitement. Il va devoir se barrer. Parce que je pense que les Shades ont... Ah, oh, il va même perdre un adept. Les Shades étaient pas si loin que ça, donc probablement à côté du bunker dans la B2. Ah ouais. Tu t'es pas senti de les accepter et là, poursuite, pas trouvé. Ça ouais. Joue très très bien des deux côtés. Bon, autant dire qu'on est passé sur un niveau un peu plus élevé que Bion. Mais c'est marrant que du coup le bon classique, il soit pas parti sur un drop disrupteur, c'est... Il avait vraiment tout setup pour le faire. Et je suis assez étonné du coup de l'avoir vu partir directement sur Colosse. Maintenant c'est pas nécessairement un mauvais choix, mais on l'a vu, ça a nettement moins payé en fait son drop adepte qui n'a pris que 3 SCV. Quelque chose que tu aurais tout à fait pu prendre en fait avec un disrupteur aussi. Ouais, on va voir. Maintenant l'avantage c'est que quand même Colosse est plus stable que disrupteur, notamment face à Maru, peut-être pas le joueur contre qui tu as le plus envie d'aller tout simplement le tester sur... La micro qui est essentiellement de la micro du côté de Terran, toi t'envoies correctement tes boulettes, ensuite ça dépend de sa capacité 1 à splitter et 2 t'envoyer au dernier moment un petit marine. C'est ça. Rencontrer la boulette. Exactement. Le double forge qui est envoyé de la part de Classic, histoire de jouer aux upgrades. Le petit marron lui qui pourrait avoir un petit timing sur le Steam, bouclier de combat et un d'attaque. Peut-être quelque chose à faire contre un nombre limité de colosses et une grosse charge familiale. Hein, où Maru qui s'était vraiment fait. Connaître notamment du public français par ses drops d'unités bio sur des colosses. On va voir s'il fait ça. Alors là, pour Maru, il va falloir faire des choix sur les investissements gazéifiés. Tout de suite, les choix, ça c'est plus un choix, je veux dire, stratégique, là, les trois medivacs. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton gaz? Est-ce que tu pars sur des medivacs et des mines et du coup, tu peux envisager de te payer des upgrades, les disrupteurs quand même d'un bar de production? Ou est-ce que tu vas chercher des libérateurs avec les ranges? Est-ce que c'est pas le moment où on rigole et on voit un Maru qui drop sur des colosses qui sont sous une matrice d'interférence? Ça serait swag. Hein. Ah bah déjà que tout à l'heure, qu'est-ce qui avait fait des matrices d'interférence déjà? C'est Bion hein, qui a eu un très bon résultat. Oula. Alors,
c'est sacrificiel. Ouais, c'est dommage d'en perdre autant. Ouais. Et il est trop loin. De toute façon, j'ai envie de dire, à la fois tu peux recall et à la fois les recalls t'en as pas 50. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc attention à pas te faire balader. Et effectivement, je crois qu'il a lancé un recall et on envoie le recall. Notamment sur les colosses, du coup ça va décaler sur le low ground du côté de chez Maru qui envoie ses marines mais qui va devoir reculer rapidement dû à la présence d'un adepte notamment. Est-ce qu'on peut dans la régie nous rallumer la télé? Oui, on est en train de perdre le retour en régie. Voilà, on va voir ici comment ça se passe. Maru qui doit faire des dégâts et plus qu'un pylône. Ouais, ça désactive quand même 3 guettes hein, donc c'est un peu plus qu'un pylône. Ceci étant dit, attention ici aux marines qui sont bien micro-gérées de la part de Maru. Maru qui tente de trader des unités, mais le problème c'est qu'à ce moment là c'est difficile de trader. Ceci étant dit, les unités qui sont en train le flanking, les mines. Kaboom. Alors c'est pas mal si on ramasse ça, mais j'ai pas l'impression qu'on le ramasse. Et du coup les deux joueurs qui se tiennent pour l'instant okay. Supply. Mais là tu vois la difficulté ça va être les upgrades du joueur Protoss. Ah si on ramasse tout ça ça devient vraiment bon mais... Allez bute-le Blink sur le low ground peut-être ou Blink n'avant tout. Non il va il a voulu target le corbeau qui était cute mais n'a pas été suffisant. Bien micro. Et en soi genre ça m'a impressionné ce Maru qui arrive à refermer des étaux avec des unités random qui récupèrent partout sur la map. Il y avait trois groupes d'unités différents qui arrivent. Alors Maru, du coup, on est sur un style low upgrade, mais tu peux pas tout faire avec. Je pense que ça ressemble à un double Starport Reactor, donc on va jouer Viking, et une Ghost Academy. Tu peux envisager un timing avec beaucoup de bio, des Vikings, le 1, et 3 Ghosts pour faire des EMP. Maintenant, on va falloir survivre à cette attaque déjà, ce qui n'est pas gagné du tout. Et ça va être un timing sur lequel il faudra quasiment tuer, parce que classique, lui, il a deux forges et des chronoboosts. C'est ça, double forge, des chronoboosts, le charge lot également qui est en train d'arriver. On pose des tourelles, hein, ils sont vraiment sûrs de fermer ça bien et d'avoir un nombre de fronts limité à défendre. Il y a quoi là-dedans? Je pense qu'il y a un haut templier qui veut feedback le corbeau. Ouais. Ça c'est cute aussi. Hein. Non mais ça joue très très bien là entre les deux joueurs. Oh merde. Oh, il l'a vu. Ouais, non. Alors. Temple Blink. Le tank mine de rien qui fait le taf ici un peu. Il lance finalement à Storm, peut-être en réalisant aussi Maru avec qui... de varier. Vient de survivre à une séquence dangereuse, maintenant il y a ces deux disrupteurs encore et son armée à micro, sérieusement. Bonjour, j'ai tous les trucs pénibles à micro, alors des ghosts, de la bio, des vikings, des corbeaux, tout ça, ça fait pas grand chose sans APM, des mines, un tank. Bah en fait c'est le moment où la composition Terran, ça devient la composition Protoss mais sans le splash damage et sur les points de vie. Ouais, à peu près. Tu... Mais avec le même potentiel. Hein. Ouais, clairement. Mais du coup, il faut les APM. Les disrupteurs, l'embuscade, les disrupteurs, l'embuscade. Alors, le problème, c'est qu'il y a moins que le disrupteur embusqué se fasse. Voilà. Pas très rentable. Oui, attention, là, il y a quelques ECV. On a pull les boys. Hein. On a complètement pull les boys pour Maru. Oui. Qui est 100% all-in ici avec ses ECV. Il prend une botte. Bon emplacement, en vrai c'est compliqué de monter ses rentrants. Un colosse halluciné, Tekel, un colosse halluciné. Tout est possible dans Starcraft 2 et ça va être parti. La Storm est présent, EMP, la première Storm. Oh, les matrices d'interférence qui sont absolument énormes sur deux colosses. Et la première Storm qui fait beaucoup de dégâts, mais les EMP aussi. Vas-y, bien encore une Storm à balancer du côté de chez Classic. Peut-il se débarrasser de son adversaire? Attention, néanmoins, les colosses vont revenir. Les colosses vont revenir et les vikings étaient posés au sol. Une détonation de disrupteur qui est pas mal, il n'y a plus beaucoup d'unités Terran, Tekel. Les vikings qui meurent un peu un, les renforts de maraudeurs qui flanquent les colosses. Mais les archontes qui sont morts, le colosse qui va mourir, c'est de la gate 2 contre la bioball. Est-ce que Maru il a perdu moins de SCV que son adversaire et il a pris toutes les unités technologiques. Alors il peut pas jouer une longue game non plus, mais est-ce qu'il a pas encore un shot? Il y a encore un shot mais il va falloir aller très très vite parce qu'il y a 4 Nexus, donc si on veut remonter son économie chez Classic ça va être extrêmement rapide. Ah, okay. Déçu. Non, t'es obligé, tu vas faire des mules en fait, tu vas faire masse bio et prier que t'arrives à out micro le mec. Il y a encore un ghost, c'est cool. Je pense que t'es obligé de rester sur un ghost et tu reviens là. Et faut que l'EMP soit fucking massif tout de suite maintenant. Là, il y a trop de templiers, il y en a deux qui ont été warpés, mais ils n'ont pas l'énergie pour une somme. Il y en a un dernier qui a une somme potentiellement. La somme qui pourrait toucher, ça pourrait être intéressant. Par contre, si ça touche dans les chargelottes, ça va réduire une grosse partie du potentiel de l'armée de Classic. Le bon kiting de la part de Maru qui kite. 2-2, ce sont les upgrades du Protoss. Oh, aïe! Alors, la Storm, pas si folle que ça, ça tue qu'un Marine avec le nombre de Medivac qu'on va pouvoir soigner. Mais le 2-2 va rendre ses élotes immortels, tout simplement, mon cher Tekel. Ouais, là, le chargelot à ce moment-là, avec le 2-2, c'est juste un petit peu trop massif pour le joueur Protoss face à un joueur Terran qui ne peut plus vraiment accumuler une vraie bioball. Mais le kiting est vraiment qualitatif de la part de Maru. Ouais, c'était ultra close cette première game. Ça va être remporté à terme par Classic.
Mais bordel, qu'est-ce que c'était serré. Maru qui ne veut pas abandonner pour l'instant. Il va encore caler une EMP magique, mais le problème c'est que là en fait t'as besoin de 3 EMP. T'as besoin d'une EMP pour les archontes, une EMP pour les templiers et une EMP sur les zélotes. Hein. Parce que sans ça, eh bien c'est compliqué de fighter cette armée. Donc effectivement il n'y aura juste pas assez ici pour le petit prince des Terranes. Bonne EMP quand même. Attention quand même. Oh, Storm. On est bien placé, oh la Storm. Aïe aïe aïe. Libérateur qui va se positionner, le problème c'est que là on est en train de se faire sanctionner 12 SCV alors que le classique voilà avec ses 4 Nexus est passé sur 63. Probe à nouveau, warp des stalkers pour venir à terme se débarrasser des libérateurs en nouvelle storm parfaitement positionnée, mais malheureusement c'est la fin pour Maru. GG, 1-0 classique. 1-0 pour classique effectivement qui s'impose ici on peut le dire sans trop de difficultés, hein, jamais alors réellement mis en danger. Ouais c'était close la fight quand même. La fight était close, mais il restait sur 4 Nexus. Quoi qu'il arrive. Mais tu te dis s'il y a un meilleur AMP, s'il y a une storm qui passe pas, il perd la fight, il perd la game. Hein. En vrai là, il met une seule vraie EMP et elle touche 3 au Templier aussi, tu vois. Oh, le problème, c'est qu'il a une seule très bonne EMP, il aurait fallu vraiment en avoir plusieurs. Peut-être une concave un poil meilleure, mais c'est là où la compo est méga dure à jouer aussi. C'est très compliqué des deux côtés, hein, parce que Classic l'a parfaitement micro. On n'a pas vu du tout l'erreur de stats tout à l'heure sur les Colosses qui sont ils ont été du coup matrice défensive, mais instantanément renvoyé en arrière. Si les Colosses avaient donné leur boule, Maru gagnait la fight probablement. Clairement. Parce que du coup, tu pouvais descendre les Vikings au sol, mais les garder au sol. Toute la fight extrêmement close, en tout cas cette première game entre les deux joueurs. Et ici on sera sur Catalyst pour la game numéro 2. Une très bonne map notamment pour les agressions à base d'adeptes de manière générale, mais le play standard proto c'est tout à fait valable aussi. Du côté Terran, je sais pas trop ce que tu vas vouloir proposer pour essayer de varier un petit peu. Bah en tout cas là on avait une bonne variation, un timing intéressant qu'on n'a jamais vu sur lequel tout a été mis en place quand même, tout le plan de jeu de Maru là arrive sur un bon timing classique aussi qui je trouve a très très bien joué la première game. En haut à gauche de la map, petit prince des Terranes, Jiner Maru. Ce que j'adore de classique c'est qu'il y a un vrai impact psychologique dans la game avec ce 3-gate. Ouais. Genre fais des unités. C'est ça, fais des unités parce que j'ai une pression et ne suis pas ton build en bas à droite, c'est classique. Le Chintos, bien évidemment. On va voir. Premier timing ici, tenté par Maru, ça ne marche pas. Et les deux joueurs qui partent sur des openings normaux, pas de proxy racks de la part de Maru notamment, pas de build étrange de la part de Classic, même si on pourrait encore rajouter un gaz de manière intempestive, mais... Je pense vraiment que c'est un petit peu moins fort. Enfin, même le cheese proxy Void Ray, maintenant les gens savent le défendre. Quoi. En fait, il fallait juste comprendre qu'il fallait faire un Mass Viking. Oui. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Mass Viking, et généralement, si t'as fait un opening normal, t'as un deuxième CC, donc t'as une économie supérieure au joueur Protoss. Donc le joueur Protoss a une date d'expiration, alors que toi, non. Ah ouais, puis en fait, les Vikings, ensuite, tu poses au sol, tu t'aperçois que ça défonce tout. On va voir que ce qui se passe du côté de Maru, on est parti sur un enchaînement de bâtiments similaires. Je dis pas que ça serait le même opening, mais je pense qu'on va rejouer Factory. En fait, l'intérêt de jouer Factory tout simplement en TVP, au-delà de la quasi-nullité en termes d'efficacité des openings multi-racks, c'est que tu mets le doute. Le proto, c'est jamais réellement ce à quoi il a affaire. Ça peut être des lions, ça peut être des cyclones, ça peut être un drop mine, ça peut être des banshee cloak, tout est possible. Effectivement, tout est possible, tout est imaginable, la seule limite est effectivement l'imagination du joueur Terran. Mais ce qui va être important, encore une fois, c'est de garder le Reaper en vie, hein, pour éviter la traversée des adeptes. Surtout avec un opening Oracle, parce que sinon tu peux vraiment te retrouver dans des Wombo Combo. En fait, pour que je garde mon micro proche de moi, il faudrait que mon câble il ait du mou. Enfin, voilà, ça serait pas mal. Ok, on va voir ici ce qui se passe. Ne pas perdre ce Reaper. Il a perdu un poil tôt la dernière fois. Maintenant, comme il avait payé un bunker, ça n'avait aucune conséquence. Là, il va voir la Stargate. Donc, tu sais déjà que t'as pas la pression 3 gates qui arrive, puisqu'on avait posé les gates avant les bâtiments technologiques. Et je pense que là, c'est le moment d'essayer de générer du dégât avec le Reaper tout en le gardant en vie. Là, il y a pas mal. Impossible. Ok, la mine et on meurt, c'est parfait. Du coup, c'est un cyclone qui va logiquement ralentir le starport. Ouais. Avant, si on décide de jouer défensif ou agressif avec. Bah pour moi,
En ayant vu la Stargate, t'es quasiment obligé de jouer défensif parce que t'as pas non plus 12 marines instantanément. Les adeptes, t'es quasiment sûr qu'ils vont traverser la map. Si tu te retrouves à devoir fighter avec 6 marines pendant que ton cyclone y part à l'offensive et qu'en face c'est 3 adeptes et un oracle, bah tu perds tes marines, tu perds ta ligne de civils. Ouais, non, plus offensif au moment où ton medivac sort. Ah oui. Tu gardes une mine en défense, tu gardes que le cyclone, tu drops ton cyclone. C'est un peu la beauté quand même du jeu terrain en early game, en TVP, où ça fait longtemps que c'est le cas, mais tes unités ont un tel potentiel de faire plein de choses. On a une deuxième Rax assez rapide qui devrait accélérer le Steam de manière logique. Et qu'est-ce qu'on fait ici? En vrai, tu vas. Là, tu grattes un maximum en essayant de pas trop perdre de points de vie. En vrai, c'est là aussi où les 1-1-1 sont forts. Attention, l'oracle. Ouais, Cyclone ça a pas beaucoup de DPS en tir, mais l'oracle ça a plus beaucoup de DPS contre les SCV non plus. Ouais. J'allais dire, toutes les openings avec des medivacs comme ça, moi je suis content. Pour l'instant, je trouve que ça se passe bien pour Maru. Ouais, on va un peu de dégâts sur l'oracle, rien de très grave. Classic a d'ailleurs retardé son deuxième oracle pour accélérer les gates et du coup un peu en conséquence le Nexus. Parce que du coup, si vous attention, faites votre oracle dans la foulée, vous faites vos gates plus tard. Et du coup, si vous faites vos gates plus tard, vous faites votre Nexus plus tard, hein, tout simplement. Alors. Est-ce que tu traverses côté Maru? C'est ballsy, c'est risqué, c'est des décisions qui demandent une compréhension du jeu exceptionnelle. Là, je pense qu'il y a moyen de traverser juste parce que tu peux aller poke un peu. Ah, ok, j'ai dit de la merde, il y a 3 oracles en fait. Ouais, il y a 3 oracles, d'accord. Ok, du coup, en fait, compréhension du jeu exceptionnelle ou pas, je pense que là, tu traverses la map. Tes unités sont réactes par les oracles s'ils sont là, et s'ils sont de l'autre côté de la map, ils réactent ta ligne de minerais s'il n'y a pas d'unité pour défendre. C'est ça. Avec 3 oracles comme ça, effectivement, du coup, la compréhension du jeu, c'était de rester chez soi. Ouais. Et on a un timing avec des mines, 3 KZR dont peu encore posés. Et j'ai envie de dire, au vu de l'absence des gaz, on va probablement finir par poser une B3 à un moment côté Maru. Pour l'instant Maru qui reste... elle peut faire tellement le taf elle. Ah t'as vu là, il a vu tellement le cratère mais... Genre à des kilomètres... Oh non oh. C'est dommage ça Classic. Tu sais que ça va mal se passer pour Classic. Je sais pas, hein, les oracles c'est fort. Marine ouais. Coup de l'Unix. En vrai, ça c'est typiquement. Allez, perds ton Phoenix maintenant. C'est typiquement le genre de jeu où à notre niveau c'est fort parce que le terrain ne va pas réagir instantanément et perdre un peu de DPS, pas target tes oracles. Là, Maru immédiatement, c'est tous les marines. Shift-click les oracles un par un. Et il y a trop de DPS dans cette arme éternelle. Ouais, avant le nerf de l'oracle, je dis why not. Ouais. Après le nerf, gros doute. Ouais, non, clairement. Bien fait de la part de Maru. Maintenant. Il est tellement bien. Alors il est tellement bien mais il y a un gros timing sur les gars qui se préparent hein. Ouais mais si les 5 gates elles sont pas là du tout. Si Classic il survit jusqu'au 5 gate il est bien hein. Alors c'est un énorme si parce que plus 1, sim, beaucoup de bio et t'as des adeptes. Il y a aucune technologie là, il y a zéro. C'est ça. Il y a 400 tri, il y a même pas de shield battery. Ok, low hold position, les 5 gates qui ne sont effectivement toujours pas terminés. Ni les glaives résonants non plus d'ailleurs, cependant on a beaucoup de... De Sentry pour temporiser par contre. Ah, il les mettait pas en place. Oh, yeah, yeah, yeah. Forcez maintenant. Trop tard. Tu l'as la mine. Petite micro des marines, la mine qui va mourir après que l'autre est tiré. Là, du coup, tu viens en contact, il n'y a plus de DPS côté Protoss. Et le DPS est Tinsay. Ah, ça, c'est très très bon. Ça, c'est très très bon. Le bon Amaro qui focus le pylône qui empêche le Warping GG. Ouais, non. Parfait, si. Ben voilà, il y en a dans le chat qui se plaignait, oui le Protoss il fait B3 des probes et il attaque, la vérité c'est que là fallait pas attaquer pour Classic. Bah tu pouvais attaquer mais tu pouvais pas tout perdre en fait. Ouais mais c'était compliqué de ne pas tout perdre en attaquant. Ouais. Bah les oracles auraient pu être sur les toits. C'est ça. Mais le problème c'est que si tu back tes oracles en fait la fight elle se passe encore tellement plus mal, c'est que tu prélèves rien au terrain. Tout le DPS était un peu dans les 3 oracles. Mauvaise décision ici de la part Classic, c'était un moment où il fallait rester chez soi. Et derrière on aurait pu dérouler. En plus ce jeu adepte résonant me paraissait pas mal contre ce que faisait Maru. Où tu sais que la B3 va être posée parce qu'on est que sur 3 racks, mais du coup elle est pas encore là donc il en profite pas. Et il a pas non plus les 5 racks qui lui donnent une production élevée. En tout cas ça joue bien un partout entre les deux hommes. Ouais, un partout dans cette rencontre entre Maru et Classic, le petit prince des terrains qui ne se laisse pas faire et qui est capable d'aller chercher son adversaire au moment où ça compte. Classic qui va devoir être un petit peu plus solide hein, sur son decision making notamment en fait hein, dans cette série, dans cette game, sur Asplant. On va voir ici. Est-ce que Maru arrive à le faire? Est-ce que Classic prend 2 balles de match?
tout cas, il y a une volonté vraiment d'aller chercher Maru rapidement. Hein, chez Classique, que ça soit le Target ou là, cette stratégie 3 Oracles, on est sur des choses extrêmement agressives et on est parti sur Acide Plante. Avec du coup en haut à gauche, le petit prince des Terran pour Gina Greenwings. Il s'agit ici du fan favorite, Maru. Avec son flegme habituel. Et face à lui, en bas à droite, en Protoss rouge. Classique. Bon, Classique qui partira faire son service militaire en 2019. C'est sa dernière année compétitive sur StarCraft 2. À moins que, au terme de 2 ans de service militaire StarCraft 2, ait encore un circuit compétitif en Corée. Mais ne présumons de rien. Et ici, première probe de scout de la part de Classique. Ouais, qui devrait. Gooey et le 2. Merci pour ta fidélité à au Gaming TV. Tu fais plaisir, mec. Ouais, bah le même timing de scout qui va aller voir la même chose ici. Maru qui ne change pas son opening. Il a l'air content de ce petit Reaper into Marine. Le Marine évite le retour de la probe qui scout. C'est ça. T'assure aussi un peu plus. Contre les embrouilles. Ouais, la probe ici qui continue de tourner à la recherche d'une éventuelle information supplémentaire, notamment en fait la pose du CC qui t'indiquerait du coup un play sur une base ou au moins un opening Rax Factory avant le CC ou Rax Factory Spatioport avant un CC. C'est pas nécessairement en all-in, mais dans tous les cas ça serait forcément des pressions beaucoup plus agressives et qui auraient besoin de faire beaucoup plus de dégâts. Donc si tu vois le truc venir, tu te poses quelques chutes de batterie supplémentaires, tu penses bien à produire des unités et tu fais le robot et ça se passe très très bien comme on l'a vu avec oui. Beyond contre Stats. C'est ça. Ah ouais, tu peux aussi poser une Stargate, hein. Je pense que il y a pas mal de scénarios où dans la plupart des scénarios la robot est supérieure. En fait je pense que la robot est beaucoup plus safe, notamment si c'est un follow-up Banshee, mais la Stargate te donne un potentiel de contre-attaque bien plus important. C'est ça. Allez, conseil crépusculaire. Ici. D'ailleurs ça va être DT. Qu'est-ce qui fait dire ça? Il y a une prop planquée sur un map. Indeed. Au milieu à droite. Indil, le bruneray qui a les yeux plus perçants que le plus perçant des chats. Ouais, c'est pas terrible. Oh lol. Là, c'était dur. Ouais, mais écoute, on fait ce qu'on peut. La fatigue en fait, s'accumule, hein. Théoriquement, ça devrait être DT, mais il faudrait poser le pylône. Après, tu peux mettre la Dark Shrine in base et poser un pylône de proxy. Là, tu vois, je pense pas que c'est DT. Ouais, je suis déçu. Glaive résonant. Cette preuve qui m'a troublé. Mais on sent. Par contre, je pense que c'est glaive résonant ultra sale. Hein. Ah oui, oui, je suis d'accord. Hein. Genre 5 gates au minimum, pas de robot et une gate en proxy. Non, mais je pense que de manière, à partir du moment où t'as un pylône de proxy pour faire des. Pendant que tu fais des glaives résonants, c'est pas pour être un mec propre hein, de manière générale. Ça ressemble presque à un classique qui serait frustré que là, tout à l'heure il a pas réussi à faire ses glaives résonants correctement. Quoi. Donc là, il veut aller chercher le joueur Terran à la glotte directement. Alors. 3 gates de plus pour un total de 4. Est-ce qu'on va s'arrêter à 4? Est-ce qu'on va monter plus haut? Oui, on va monter plus haut. Jusqu'à 8. Hein. Oh lol! Oui! Oui! Oh oui! Oh peut-être. My war! Alors là, tu peux déjà faire un bunker. Cancel! Mais du coup, cancel! Tu tues pas le pylône, est-ce que tu renvoies pas une propre repose la gate? Je pense que tu fais juste une pression du coup. Tu fais un tour de ward d'adepte. Tu vas voir ce qui se passe. T'as vu Maru scout à côté? Je pense. Tu dois comprendre avec les adeptes, mais c'est pas garanti. Hein. Ouais, non, c'est pas garanti, puisque de manière, les adeptes sont généralement les premières unités qui sont sorties par le joueur Protoss, la B3 qui est posée de la part de Classique, qui va effectivement full transitionner en dehors de ce truc. À moins que ça soit fake, hein, mec, il a que 38 probes. Hein. Il a que 3 gates, peut pas faire un gros all-in. En vrai, je pense que Classique vient de se faire niquer son plan de jeu de A à Z. Hein. Va tenter un truc avec 3 adeptes de plus des fois que. Mais le problème là c'est qu'il a pas de prise. Tu vois, s'il avait un prise, tu pouvais bricoler un truc dans la main. Là t'es quand même sacrément limité. Maru qui revient à ce côté, qui va avoir le timing de la robot, qui est à nouveau parti sur un corbeau. Ouais. Et là, tu vois tout, il n'y a rien. Et là, est-ce que le fait de rien voir, ça t'inquiète pas plus qu'autre chose? Oh, le surround qui va être fait quand même sur le Reaper au final. Il va tuer que une prom. Bon, maintenant que. Ah, il veut touch. Regarde-le. Ouais. Coup Kamida. Raté. Non, réussi. Par contre, lol, les réflexes de Maru aussi. Ah oui, non, Maru. Okay. Là maintenant, Maru, à quel point tu overcommit? En fait, il n'y a pas tant que ça. Il va accepter, il va accepter, il va accepter ce sac.
Ok, ça tente deux adeptes alors que les civils avaient complètement esquivé pardon, le splash damage, la petite tourelle automatisée qui est rajoutée pour le DPS. Tout à fait nécessaire hein, pour ces marines qui n'ont pas le bouclier de combat, qui n'ont pas le steam, qui n'ont pas le plus dans l'attaque, hein, qui n'ont rien du tout. Et face à des adeptes glaive résonant, ça se passe très mal. Il s'en sort bien ici, le bon classique au niveau de la sauvegarde de ses unités. Merci à toi, Amir le fou, pardon, pour tes 8 mois et ton Twitch Prime. Du coup, les deux robots, les deux forges qui donneront des sueurs froides à n'importe quel joueur Terran, le Blink et un Prism, histoire d'avoir un peu plus de mobilité, tout simplement, de continuer à mettre sous pression Maru, qui essaye de scouter avec son Viking à nouveau. Ouais. Et Maru est parti sur, à nouveau sur ces espèces de pression de base, tu vois. C'est pas un all-in, mais t'as pas non plus une B3 rapide. C'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, on voit en fait soit des Terran qui all-in comme des porcs, soit des Terran qui font un troisième CC rapide, mais rarement entre les deux. Très très bon scout là. Ouais, très bon scout, on va voir les deux forges alors qu'elles n'ont pas encore lancé le 1-1, donc ça c'est très très bon, tu pourrais le poser, il va le poser, pile dans la ligne de minerais, ça c'est bien fait quand même de la part de Maru, ouais, qui va pouvoir prélever quelques unités. Et mec, shot. Les sentries c'est des unités mécaniques aussi, hein. tu les bourres. Ah, je pense que tu te sacrifies. Hein. En fait, tu peux le garder et le poser dans le Dead Space. Ouais, enfin le laisser dans le Dead Space, ouais. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. Après bon, je pense que tu aurais su prendre deux sentries. Et... Dans la main de Maru, des unités à l'instant. On va voir ici comment ça se passe. Ouais, quelques adeptes qui ont été ramenés par un prisme directement dans la main, qui ont pris quelques SCV, alors qu'on a également des adeptes qui ont réussi à shade by dans la base ici. Et c'était défendu purement avec le bunker, du coup Maru qui perd beaucoup là. Hein. Ouais, Maru qui perd un peu trop, et classique qui est en train de faire le trou économique. Bon, Maru c'est simple. C'est ça all-in maintenant. Ouais, enfin t'es pas méga all-in, mais il faut faire mal quoi. C'est un timing. De toute façon, le TVP se résume à ça en ce moment. Ouais. Il y a un gros timing pour le Terran. Tu peux avoir des games qui transitionnent en un truc cool, hein. Mais le Terran a une chance. C'est ça. De faire des dégâts. Et ce qui est marrant, c'est que c'est. Croisé ça. C'est un peu l'antithèse de ce qu'ils avaient à une époque en TVZ. Avant, contre Zerg, tu devais tuer avec le 2-2. Maintenant, ils doivent tuer avant le 2-2 Protoss. Merci à EastDealer1 qui rejoint la route tout poutre. Beaucoup d'amour à toi. Merci à toi. On a gardé le bon nombre d'unités. Tentative de voir. Ouais. Attention, les domines. Il n'y a rien porté. Ouais. Ah, il joue bien, classique. Là, il va rendre Maru 100% en ligne. Ouais, le 100% en ligne de la part de Maru qui en plus avait posé un 3ème CC pendant ce temps-là. Non, pas de missile. Je pense qu'on peut mettre un missile, d'accord. Je pense que tu veux matrice interférence l'immortel. Mais tu peux faire les deux en fait. Genre, l'avantage des spells du Raven, c'est qu'aujourd'hui ça coûte 0 d'énergie ces trucs. La matrice c'est 50 et le missile c'est 75, donc ouais. 145, attention ici, le missile sur toutes les. Oh là là, toutes l'armée Protoss quasiment. Et là, si on perd les shields, ça fait mal. Par contre, je crois que Classic a déjà trop prélevé. Hein. Je pense que Classic est méga bien désormais dans cette game. Il y a bien une B3 chez Maru, mais on a 20 workers de retard. Quoi. Bah, c'est ça en fait. La même chose avec 10 workers de plus, je te dirais pourquoi pas. Quoique, il y a le 2-2 qui n'est pas lancé du côté de Classic. Si tu prélèves les deux forges, ça va t'aider quand même. Hein. Ouais, quand même. Ça pourrait. Non, je pense qu'il veut aller dans l'écho parce qu'il se fait encore contrer, que sa B3 va se faire contre elle. Attention. Ici, le Blink, le corbeau qui pose une auto-tourelle. Est-ce qu'on arrive à faire la Ils font détruire la centrique avec le Garden Shield. On attend la fin du bouclier de l'immortel pour faire le taf. Classique qui compte avec des abdev dans la ligne de minerai B2 et qui a défendu dans sa main puisqu'on ne voit plus rien qui clignote. Et d'ailleurs, les deux Medivacs sont morts. Ce qui veut dire que Maru a malheureusement perdu cette game. Ouais, malheureusement pour Maru, ici c'est terminé là-dedans. Il peut se battre tant qu'il veut. Les populations armées sont relativement équivalentes, mais en fait avec quasiment 3 fois plus de workers du côté de classique. On va juste en fait faire un tour de warp et vous allez voir que la population du joueur Protoss va exploser. En plus de ça, on a cette fois-ci lancé le 2-2 et il n'y a vraiment pas de solution en fait hein, pour Maru qui soit s'obstine, soit n'estime pas où il est exactement dans la game. Mais dans les deux cas, n'a pas de moyen de revenir. Il va tenter et je dirais le seul moyen de revenir ici c'est des shots de mi-construire. Genre accumuler 4-6 mines qui explosent toute la pop Protoss d'un coup parce que les unités et genre tous les achats qui shade dessus et tu comptes derrière. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais voilà, t'as un Protoss qui pose B4 ou alors tu joues trade base, mais c'est une armée assez mobile, assez forte en trade base et qui va juste recall sur le dernier. Et là, ce fameux Viking dans Dead Space, il est pratique. Ouais, je crois qu'il est mort d'ailleurs. Oui, il est mort. La grosse contre-attaque qui va arriver, le problème c'est que même dans un scénario de recall, de base trade, il y a le recall. Donc ça complique les choses un petit peu pour le joueur Terran qui se retrouve avec beaucoup d'adeptes dans toutes ses bases et qui va perdre pas mal d'unités là-dessus. Il va tenter le gros run by au niveau de la B2, mais la priorité là c'est détruire ce pylône avant que ça voir. Trop tard. Donc au moment où
il colle les adeptes, classique impeccable j'allais dire, c'est tuer toute la prod ensuite si ça joue vraiment le late game, enfin ouais. le base rate pardon, et classique qui passe à 2-1. Classique qui passe à 2-1, ça rend les choses compliquées pour Maru dans cette série. Surtout que bon, autant la game précédente il arrive à sanctionner son adversaire, autant là classique il referme un petit peu toutes les écoutilles et même quand il y a des occasions, Maru il arrive pas du tout à trouver le dégât qui est nécessaire pour lui permettre de réellement, réellement prendre la game en fait. C'est ça, bonne temporisation avec les forces field, contre-attaque d'adept en même temps et ça plie la game là. Côté classique, impeccable. Après, allez, ça te fait scouter. Ziboul qui demande si on va casser tout le tournoi. Alors, pas ce soir, ça continuera demain et après-demain. Juste demain. Putain, on est vraiment des machines. T'es au casse demain, tu prends cher, je crois. Je crois que je suis pas au casse demain, justement. Ah, ok. Très bien, je crois qu'on aura Funky et Coca. Ouais, c'est des Funky et Coca, ouais. Moi, je suis de retour samedi et dimanche. Ok. Et j'ai envie de dire qu'avec le tournage de la réponse. Ah merde, d'ailleurs j'ai oublié. Louis m'avait donné une consigne. Et j'ai oublié. C'était de pas en parler ? Non, c'était de demander à Alex Kish d'envoyer le teaser de Coca pendant des pauses. Mais c'est pas grave, vous l'aurez à la prochaine pause. Effectivement, on verra ici après. Il nous restera une dernière série pour ce soir. Ça sera un Stats contre Solar. Et directement en haut à gauche, en terrain bleu, il s'agit ici de Maru pour Jinagen Wings sur un gas first. Ouais, on a changé son fusil épaule ici. Et face à lui, en bas à droite de la map, en Protoss rouge, classique. Et des gens qui appellent classique Terran Traitor. Et il faut le savoir, il y avait également Flash qui avait envisagé le changement de race en passant de Broodwar à StarCraft 2. Puisque du coup, son coach, dont j'ai oublié le nom, c'était pas I Love Move. Oh, non, je sais plus qui c'était le coach qui a été. Mais qui trouvait, que, et sûrement en raison, hein, qu'à l'époque sur HOTS, et ben le, et même Wings of Liberty, puisque c'était 2012 le début, de SC2 pour la Kespa, et ben trouvait que le Protoss de StarCraft 2 ressemblait plus au Terran de Broodwar. Ah bah c'est sûr que ça campait pas mal Terran sur Broodwar. On va voir ici comment ça se passe dans cette game. To guess first, du coup. Va peut-être accélérer la facto, est-ce qu'on ferait un build d'une base, ça serait super surprenant pour Maru qui a l'air quand même d'avoir trouvé son groove tu vois en termes de construction de son jeu P3, typiquement ce que j'aime pas dans le match-up mais ça lui réussit quand même. Là il arrive à s'opposer à classique avec du coup ses B3 un peu delay sans être complètement en ligne et là il y a un proxy qui va arriver. Je vois pas à quoi sert ce fucking. Et si tu proxies pas, mais je vois pas ce que tu proxies en fait. Est-ce que tu vas vraiment scouter aussi tardivement? Pas du tout scouter sa pocket expand. Ah mais surtout scouter OSCV pour ensuite faire Reaper. Moi j'ai toujours trouvé ça nul. Mais il y a beaucoup de joueurs Terran qui ont l'air d'aimer faire ça. Je pense qu'ils disent que sur cette map, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être trop de. Il y a beaucoup de proxies target sur cette map quand même, ça vaut le coup de scouter rapidement. Ouais. Et du coup ensuite t'essayes d'aller choper le proxy avec ton Reaper. Ou alors, tu fais un truc. C'est cute, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Maintenant, j'ai jamais trouvé ça exceptionnellement fort. Bah, en fait, ça maintient les unités du Protoss chez lui. Ouais, c'est ouais. 90% de l'intérêt du truc. Bien sûr. Et mais voilà. Et ensuite, tu peux venir tenter de lui faire l'amour. Tu veux voir la Stargate avec ton Reaper. S'il chasse ton Reaper et tu bats ton IV, c'est pas mal. Si ça rentre dans ton build order, pourquoi pas. Ah, avec un build order à Lyon, c'est beaucoup plus drôle parce que du coup, les unités. Les adeptes du Protoss vont être potentiellement en train de taper ça ouais. Au lieu de garder l'arme. Ouais effectivement, du coup si on n'a pas des bâtiments qui se reposent dans le wall, on n'aura pas de moyen de détourner les lions. Et normalement ces jets ils sont purement pour le map control, voir s'il y avait un follow-up, voilà c'est exactement ça. Si, en vrai c'est classique, ils pensent à le faire régulièrement, il y a moyen qu'ils le fassent en fait et que ça soit à peu près au moment où les, où les lions arrivent. Je pense même que ça sera bien timé. Pourquoi les lions qui ont l'air de faire un grand tour par le nord. Quand même, je peux faire gaffe. Alors on a un steam rapide. Cancel. Ah ça démange. On a un steam rapide ici de la part de Maru qui enchaîne sur deux petites mines qui va voir une probe. Et classique n'a pas ses unités en place. Et attention classique ici, on va peut-être devoir utiliser Oracle. Ouais, après c'est pas le pire des trucs, surtout classique, elle a l'air d'être vraiment fan de l'idée de faire 3 oracles.
perdre 4 probes, c'est un petit peu relou, mais pendant ce temps-là, il va lui-même aller prendre un SIV à son adversaire. Il force le cut de la production de SIV sur la B2 de manière générale. Donc, en soi, c'est pas si mal, l'un dans l'autre. Ouais, on va voir ce qu'il arrive à générer ici. Effectivement, Maru à poil là, avec son BO, il a que des mines. Si t'acceptes l'échec dans cette mine, ça... ok, non. Ça allait mal se passer parce qu'on avait une autre sur l'Iron qui aurait eu la portée. Entre le splash damage, les trois adeptes mourraient. Hein. Non. Non. Bah non, ça fait que 40. Splash. Oui, ça va, une adepte à 13 points de vie. Avec la moitié de tous ses PV. Mais du coup, les adeptes qui continuent de deny le mining sur la B2. Qui mettent cette phase dans l'orange. Ouais, c'est un peu de la merde le build de Maru là, honnêtement. Du coup, tu dirais qu'il n'aurait pas dû faire cette IB? Non, c'est son follow-up où il fait des mines et pas de marine. Hmm. Je vois que tu aimes surenchérir. Tout ça à cause de cette IB. Non, bah, l'IB c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il a rien. Ah, mais t'as compris la blague au moins? Ah, pardon. IB oh, beaucoup de SIV qui meurent. Ah, cette game c'est dramatique pour Maru. Ouais, bah si t'es en ladder, tu GG quoi. Ah oui. Bon, on n'est pas en ladder et t'es mené de 1, donc tu vas pas GG. Enfin un peu de succès. Oui, mais bon, du coup, tu perds une mine. Alors, c'est pas grave, on prend un oracle. Hein. Mais en soi, si là il y avait eu 3 autres adeptes qui traversaient la map pendant ce temps-là, c'était fini quoi. C'est Nexus qui est décalé. Ouais, bonne nouvelle. On va perdre un petit peu d'income pour Classic. Est-ce que c'est le début du comeback pour Maru? Le début du comeback, ça sera de trouver un moyen de survivre au glaive résonant qui arrive avec oui. Mass Adept sans perdre 20 SIV. Et ça va être compliqué. Hein. Je vous le dis, ça va être très compliqué. Ça va requérir des bunkers, des mines et vraisemblablement beaucoup de medivac. Ouais. Pour rester sur 40 SIV contre 66 probes. Oui. Ah, on a dit survivre. Ah oui, non, c'est on n'a pas dit s'épanouir dans une vie qui t'apporte à la fois de la satisfaction personnelle et professionnelle, Imré. Oui, non, mais le pire, c'est que c'est vraiment ça. Alors, tu vas manger les deux adeptes, ça c'est cool. Parce que bah, Classic est partant sur une grosse pression adepte, ouais. Bien aimé. Yes, toujours plus de gate. Le hard attack et le glaive résonant qui arrive finalement, c'est toi qui va moi. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour Maru. Il y a hein, plus de détection, du coup, Classic qui était bien mauvais sur. Le contrôle de l'oracle, ouais. Ouais, la gestion des mines. Oui, aussi, oui, on peut le voir comme ça. Maintenant, ça peut ne pas l'empêcher de complètement crush la fight parce que. Y'a que des marines, bordel. Y'a que des marines qui n'ont pas le plus de défense. Alors, le shield est fini. Ouais, bon. Même si tu crushes pas la fight, il y a Maru qui traverse, qui scanne la B3, qui dit qu'il doit y aller. Tu vois ça, tu te dis qu'il faut quand même faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a un prisme qui arrive dans ta main. Au minimum, il y a 4 adeptes. Au pire, il y en a 12. Ça va tellement mal se passer, mec. Ça, il faut. En fait, le meilleur scénario, c'est qu'il warp dans ta main, somehow tu défends, et du coup, il a rien pour contrer tes self-marines. Ouais, mais du coup, il va warper dans ta main, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de somehow. Il y a juste death coming for you. Et ici, le double drop qui est en train d'arriver, mais c'est complètement vu. Ça va être parfaitement géré. Les deux, aucune des deux mines qui ne va détonner. Là, en vrai, tu pourrais recall la moitié de ta pop et quand même défendre la B3. Tu vas faire ça, tu as tué 20 CV. Lol. Par contre, tu vas perdre une grosse quinzaine de props. Tu recall, là, tu vas te faire intercepter tes unités en train d'être warpées. Mais du coup, tu as des force field, mais plus d'anti-air. Maru qui revient, Maru à droite, Maru à gauche. Est-ce que ça peut le faire ici pour le joueur Terran qui doit infliger des dégâts colossaux parce qu'il a 17 SCV à l'instant présent. Faut tuer Classic quasiment sur ce go pour Maru parce qu'on a une économie, une base qui ne mine plus de gaz. Ouais, ça paraît très compliqué pour Maru de le faire. La mine qui aurait pu tirer, hein. Si elle avait tiré dans cette adepte, ça aurait été juste incroyable. Mais là, on est un peu piégé. Du côté de chez Maru, alors il a pas l'air d'avoir forcément réalisé que c'était une hallucination. On va réussir à chasser le prisme finalement. 20 SCV à 35 probes. Allez, est-ce qu'on y prend vraiment Imre? Peut-être. Si ça fait la diff. La mine dans toutes les sentries, oui. La mine dans toutes les sentries. C'est pas mal, une sentry et une prop supplémentaire qui meurt, mais un medivac. Il a perdu un medivac. C'est tellement dur, mais... En soi, considérant la situation, je veux dire, il y a pire. Mais... en fait, on est dans le scénario qu'on évoquait, il est encore dans la survie et le prisme est encore en vie. Genre, pour qu'il soit bien, il aurait fallu vraiment que ce prisme meure. Ouais, et tu veux 20 prop de plus. Oui, aussi. Mais au moins là il aurait été sûr de maintenir une économie mais ouais, là et il aurait pas perdu ses 24 SIV dans la seconde dans les minutes qui suivaient. Non c'est dramatique. Salut. Et là il va quitter la game hein. Bah c'est fini.
Mais en vrai, c'est triste. Le PVP, enfin, le PVP, je vais pas dire qu'il est en balance, mais il est dans un état où le terrain n'a tellement pas le droit de prendre des dégâts en début de partie que juste les 3 adeptes qui tapent pendant une minute le CC, ça finit la game. On va voir si Maru ici arrive à battre l'armée de classique parce que c'est le seul moyen de gagner. Il n'y a plus de récolte disponible, ce qui veut dire qu'il y a un énorme hors position pour classique ici quand même. Il y a 4 mines. Ah ouais, cooldown 25 secondes, est-ce que ça peut faire la diff avec les mines ici qui pour l'instant connecte notamment pas mal sur la droite. Ça a bien on a besoin à droite, de ça, ça continue de connecter. Il y a trop d'adeptes. Ouais. Il y a trop much. GG et classique va s'imposer ici 3-1. Ouais, c'est mais ouais, effectivement, l'early game à l'heure actuelle est pas du tout évident pour le joueur Terran. Il y a moyen de faire des trucs, hein. C'est juste si tu passes derrière en early, c'est même pas la peine de. Ouais. Enfin, ah. Derrière, tu reviendras pas parce que le mid et le mid game est tellement à l'avantage du joueur proto qu'on voit jamais le late. En fait. C'est ça. Et c'est le truc. Et c'est pour ça en fait qu'on voit aussi beaucoup de Terran en fait choisir l'option de jouer 3ème CC. Parce que c'est le truc de, au final, tu dois camper et tu finiras par passer devant et du coup éventuellement atteindre le late game. C'est ça, c'est 3ème CC ou alors je fais 5 racks sur deux bases et je bourre et si ça passe pas, c'est bah, ça. De toute façon. Alors que pour le coup. Maru a quand même essentiellement choisi des trucs à mi-chemin entre les deux. C'est ça, ce qui est assez intéressant parce qu'il a l'air de croire dans son truc. Ouais, il y a plusieurs games qui sont close quand même. La première, elle est très serrée entre les deux joueurs. Les 3 et 4 sont écrasés par classique. Ouais. Comme la deuxième est éclatée par Maru qui met juste classique, donne ses unités. Donc est-ce que cette game compte vraiment? En tout cas, c'est classique qui s'impose 3-1. Le Chintos qui avance ici du coup en demi-finale déjà de ce GSL Super Tournament. Nous, il nous reste une série. Oui, ça va être un PVZ Stats contre Solar, donc un team kill entre les deux joueurs de chez Splice, mais un seul, bien sûr, peut soulever le trophée à la fin, donc c'est tout à fait normal ici, l'équipe ne compte pas, ça sera juste après la pause, n'hésitez pas à désactiver Adblock, et mon petit Alex Kish, si tu peux nous envoyer du coup le teaser de Coca pour le match Coca versus TKL, ce serait incroyable. Dans 10 secondes, pas parfait alors. Du coup, on vous envoie ça, le teaser. T'es ma pute. C'est ta meilleure intro pour le teaser. T'es ma pute. Tu sais, j'ai une pute. C'est toi, ma pute. T'es ma pute. T'es ma pute, ok ?